Saint-Nicolas, ta fête approche à grands pas. Que fais-tu de tes journées ? Eh bien, mon petit bonhomme, depuis le ciel, j'observe bien des choses. Je regarde si les enfants sont bien sages, s'ils disent bonjour, merci, et s'ils mangent leur soupe. Tiens, que vois-je ? Oh ! Mais c'est une éolienne ! Vite, Saint-Nicolas ! Là, je n'observe plus les enfants. Je fais juste attention à ne pas me faire mal. Je feuillette les catalogues de jouets pour voir ce que les enfants ont commandé. Je fabrique ensuite les jouets et teste leur qualité. Enfin, je regarde quel sentiment on ressent quand on gagne. Et quand le ciel devient rouge, je fais des gaufres. Tu le sais sans doute déjà. Mais dis-moi, Saint-Nicolas, chaque année tu vieillis ? Comment tu fais ? Quel est ton secret ? Il y a de la magie. Tiens, j'aurais dû faire ça tout à l'heure. Mais cette magie me fatigue beaucoup. Alors, dans ma période creuse, je me lève de bonne heure. Je vais rejoindre mes ânes pour prendre avec eux le petit déjeuner. Tiens, ils n'ont pas très faim aujourd'hui. Je rejoins le Père Noël pour une séquence d'étirement. Ensemble, nous nous motivons, nous nous amusons et nous nous entraînons. Et nous plaisantons beaucoup. Écoute, je n'en reviens pas que tu fasses tout ça. Cela t'est vraiment utile ? Mais bien sûr ! Regarde un petit peu les situations périlleuses dans lesquelles je me retrouve. Regarde, j'oublie ma mitre. Et la route me réserve parfois bien des dangers. Et tout ça, c'est pour passer dans tes chaussures. Arrive. Il est temps pour moi d'aller chercher le père Fouettard.
nous partons alors ensemble pour notre tournée. Dans toutes les maisons des enfants sages. J'arrive alors dans la maison, tout doucement. J'aime m'imprégner de l'ambiance chaleureuse, du calme, du silence même. Je m'installe et je lis les lettres laissées par les enfants. J'ouvre alors ma hotte remplie de cadeaux et je remplis les assiettes de cadeaux, de friandises, de jouets. Waouh! Mais alors, Saint-Nicolas? Chut! Mon petit bonhomme, je t'ai déjà révélé bien des choses. Il est temps pour toi d'aller au dodo. Sois sage.